Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau rendez-vous, on en parle ou pas, et oui, on se confesse, on vous avait dit qu'on serait là qu'une fois par mois, et malheureusement pour vous, peut-être heureusement pour nous, il y a encore quelque chose à raconter cette semaine-là, et pour m'accompagner, comme d'habitude, je suis avec mes compères Drus et Wiltupac. Salut les gars. Salut. Salut tout le monde. Et du coup, cette semaine, nous allons vous parler de la No Life Street Fighter League saison 2. Ça y est, l'annonce est officielle et on va vous en dire plus dans 2-3 petites secondes. Donc la No Life Street Fighter League saison 2, on en parle ou pas? On en parle, comme d'habitude. On en parle, c'est parti. Alors, la No Life Street Fighter League a eu lieu l'année dernière à travers la Coupe de France Street Fighter. Elle est organisée par NoLifeEVSFTV.com et les 16 meilleurs de ce tournoi national ont été directement qualifiés pour la No Life Street Fighter League, alias NSL, qui s'est exclusivement déroulée en ligne. Malheureusement, cette année, pas de Coupe de France, mais 12 joueurs ont été invités pour participer à cette saison 2 qui cette fois-ci prendra place dans les studios de No Life pour des rencontres en local. Wiltupac, cette année tu participes, on va en revenir tout à l'heure. Drus, toi, je sais que tu as suivi un peu de loin cette ligue. Est-ce que, avant de pouvoir commencer à énumérer les joueurs et poser les règles, hein, pour que tout le monde puisse comprendre un peu comment se déroule cette ligue-là, quelle a été justement ta vision de cette ligue et dernière, quoi? Alors, déjà, premier point, ça a été déjà beaucoup de joueurs, 16. C'est un roster vraiment, vraiment gros pour une ligue. Et surtout, c'était online. Et le fait d'être online, avec certaines connexions, avoir les disponibilités de tous les joueurs, ça a vachement ralenti la possibilité justement de récupérer tous les matchs. Donc, par exemple, Kimado, en cours de route, a dû abandonner parce que c'était trop compliqué pour lui pour jouer en ligne, niveau lag, pour avoir un accès au net. Sinon, petit rappel du classement de l'année dernière. Ouais, vas-y, je t'en prie, si tu peux nous le citer. Oui, le premier c'était Gagapa. Gagapa avait terminé premier, deuxième Alioun. Ouais. Ensuite, il y avait Tupac qui était là, Starnab, Kongster, Adon et DVD. Ça, c'est un peu les premiers. Et d'ailleurs, en voyant ça, j'ai une petite question. Comment étaient sélectionnés tous les joueurs de la saison actuelle qui va commencer? Alors, c'est simple. C'est vraiment pas compliqué. On a pris d'abord le top 3. Donc c'était Gagapa, Alioun, Tupac. Donc déjà on avait 3 joueurs. Sachant que cette année, c'est seuls 12 joueurs qui allaient s'affronter. On a pris des anciens, qui sont Sonic, DVD, Luffy et Perplex. Alors à savoir que y a quelque chose qui m'a quand même énormément chagriné, c'est la contre-performance de Luffy l'année dernière. Alors là, il est dixième. En ligne, il a fait n'importe quoi. Certes, il a fait de superbes matchs face à Alioun, mais face au reste du cast, honnêtement, contre-performance totale. Donc il se devait de reparticiper justement à cette deuxième saison. Et du coup, on a décidé de le reprendre. Et ensuite, il fallait bien sûr donner du sang neuf à cette deuxième saison et choisir des nouveaux. Alors, évidemment, dans les nouveaux... Est-ce que tu peux nous énumérer toute la bien liste? Bien sûr, des bien sûr. Il n'y avait même pas à réfléchir. On a commencé par Valmaster, parce que bon, avec les performances qu'il a fait justement à l'IBGC et dans des défis, il n'y avait même pas à réfléchir. Valmaster, on le prend tout de suite. Actuellement, il est là. Voilà. Ensuite, il nous fallait quelqu'un capable d'avoir une étincelle de génie. Tu sais, le genre de joueur qui... et limite imprévisible. Donc, sachant qu'il nous fallait également des personnages qui n'étaient pas présents l'année dernière, histoire que les gens puissent découvrir quelque chose de nouveau, on a décidé de choisir un joueur de Zangief. Et en France, les joueurs de Zangief, ça court pas les rues. Donc, je me suis renseigné, j'ai consulté quelques personnes, et UFC Mahon, était le parfait candidat. Donc du coup, on l'a choisi. Donc c'est le genre de joueur qui, peut-être, va réussir à gagner quelques matchs, il va en gagner peut-être énormément, ou même pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que ce joueur-là est capable de, tout comme quelques autres que je vais vous énumérer après, ce joueur est capable de foutre le bordel dans le classement. De chambouler le classement, quoi. Ah oui. D'accord. Ah, oui. D'enrayer la machine. Exactement. Mais je vais vous expliquer en détail pourquoi juste après, en vous détaillant les règles. Ensuite, il y a Renegade.
Renegade, qui est le coéquipier de Perplex, de l'équipe Katrina FR. Et donc, du coup, Perplex, l'année dernière, est arrivé, enfin, était lanterne rouge, était cinquième en partant de la fin. Sur 16, c'est pas terrible. Donc, du coup, ouais, mais c'était l'année dernière. Cette c'était l'année dernière, oui. Belle année, il est dans les derniers tops. Par exemple, là, à l'Apocalypse, au dernier, il a fait quatrième. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Mais comme je disais, il faut du 109. Il faut du 109. Pourquoi je choisirais Perplex et pas un autre qui était au-dessus du classement? Voilà. Donc, sachant que Perplex fait partie d'une équipe, et je comprends bien qu'il faut qu'il y ait de la visibilité pour tout le monde, je sais que Renegade fait partie de la même équipe que Perplex. Donc, s'il n'y a pas Perplex, il y a Renegade. Non pas parce que c'est l'équipe en soi, c'est parce que ce joueur-là est là depuis un moment et il vient de se remettre vraiment à doser à fond Super Street Fighter 4. Donc, il n'y a pas plus motivé comme joueur. Ah oui, puis on le connaît bien, on sait bien qu'il a tué Tokido Stunfest, c'est du lourd quand même, Renegade. C'est un top, quoi. Voilà. Il n'a pas volé sa place. Donc voilà, il n'a pas volé sa place et c'est le moment parfait pour lui pour se relancer dans le business, comme on dit. Donc voilà pourquoi j'ai pris Renegade. Ensuite, il y a Lior, la Makoto. Lior, Makoto, pareil, c'est exactement le même profil que Mahon. C'est un nouveau, certes, mais il est capable de pas mal de choses. Il peut tuer tout le monde. Il peut tuer tout le monde. Sachant que c'est Makoto. Makoto au corps à corps, il suffit qu'il approche, ça peut être la bamboula. Ah, il a tous les... dans les mains de Lior. Voilà, voilà. Exactement. Là, c'est ça le truc. donc du coup, voilà pourquoi j'ai pris Lior. Parce qu'il a le même profil que Mahon. Il est capable de faire, d'avoir des étincelles de génie. Et c'est des choses que j'ai envie de voir. C'est des... Il joue aussi Sakura énormément. En plus, donc du coup, il a un joli counter pick. C'est un bon joueur, Lior. Franchement, lui non plus, il a pas volé. Et donc, le dernier nouveau, c'est Lachom, le joueur de Sagat, le joueur de l'équipe Rage. Alors, si j'ai choisi ce joueur-là, c'est tout simplement parce que il m'a énormément impressionné dans les vidéos que j'ai pu voir sur Event Subs. Sur Event Sub, en plus, donc le best of Rage Lachom, il est patate. Donc du coup, j'ai vu ça, je me suis dit. Ce mec-là, il faut qu'il me fasse les mêmes choses en match. Le mec-là, il est doué, il fait des phases que j'ai jamais vues avec Sagat. Il me le faut. Honnêtement, ça peut envoyer du lourd. Exactement. Honnêtement, s'il n'avait pas été sur Event Sub et si j'avais pas vu sa vidéo, je l'aurais pas choisi. Après ce que j'ai vu sur Event Hubs, franchement, s'il n'était pas là, il y avait un souci. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc du coup, voilà, on a le top, on a les 12 joueurs qui. Je vais vous les énumérer une nouvelle fois. Ouais, Gagapa. Je crois qu'on en a oublié, non ? Gagapa, Alune, Tupac. Sonic, DVD, Luffy et Perplex. Lior, Valmaster, Renegade, Mahon, et Lachom. Ce qui nous fait vraiment 12 personnages différents. Parce que contrairement à l'année dernière, il y a eu pas mal de doublons. Il y a eu Conkster qui était là. Si je ne l'ai pas choisi cette année, parce que Conkster, ça y est, il est en pause, il est en mode retraite en ce moment. Et en plus, l'année dernière, ça nous faisait 2 Honda. Et attention, et accessoirement, ça nous faisait 2 Camille, parce que Conkster counterpick avec Camille. Il fallait un peu mélanger un peu, enfin, fallait renouveler un peu ce bac à sable. Et voilà, donc du coup, ça nous fait Rufus, Makoto, Chun-Li, Boxer, Zangief, Dictateur, Camille, Viper, Ibuki, Honda, Rose et Sagat. Ouais. Que des personnages, que des différents. Voilà, que des personnages différents. Donc, on est sûr d'avoir quelque chose de différent par rapport à l'année dernière. Parce que une des raisons aussi qui nous ont poussé à choisir des nouveaux, mais vraiment 5 nouveaux c'est énorme sur 12 joueurs, c'est parce que on ne voulait pas avoir ce syndrome de la 3ème saison de la ESGN TV. Vous voyez, la première saison c'était génial, c'était nouveau. La 2ème saison elle nous a fait rêver grâce à Alun, mais malheureusement la 3ème c'est juste du copier-coller, il n'y a personne de nouveau. Et on a très bien vu les chiffres, une baisse d'audience énorme. Ouais. Et nous, on veut éviter ce fiasco. C'est pour ça qu'on a pris l'initiative de prendre des nouveaux. Et j'espère vraiment que ces nouveaux-là vont pouvoir se démarquer. Ce qui est sûr, c'est que Valmaster, il n'y a pas de doute à se faire là-dessus. Et pour les autres, Renegade, Lior, Mahon, j'ai vraiment du mal à citer son prénom, Mahon et Lachom ont tout approuvé. Donc, c'est une chance pour eux également d'être sur le devant de la scène. Et j'espère de tout cœur qu'ils vont réussir à vraiment à faire quelque chose et à montrer que voilà, ils sont pas là pour rien. Évidemment, s'il y a une saison 3,
Pareil, ça va être exactement le même concept. On va en virer quelques-uns pour en faire place à d'autres. Évidemment, cette ligue-là n'appartient à personne. Je peux juste dire qu'elle appartient au top 3. Donc le top 3 est assuré de participer pour la saison d'après. Mais le reste, il faut continuer à faire des performances durant l'année, dans À les tournois, percer tout à ça. percer exactement. Et comme on peut le voir, c'est pas parce que moi personnellement, la Chaume ou ma Aune, je les ai jamais vus super loin dans des tournois. Mais de réputation et les matchs ensuite que j'ai vus sur YouTube et les vidéos me montrent que voilà, ces mecs-là, ils ont un potentiel. Et c'est avec ce genre de compétition où ils peuvent justement Le montrer. toucher. C'est voilà. Donc c'est une OK. opportunité pour eux de progresser en plus, qui plus est. Donc voilà. Ouais, mais un point important, c'est que cette année, c'est complètement offline. Et ça va Exactement. changer énormément la Énormément. donne. Parce Tout que à faut fait. savoir, pour ceux qui ne sont pas trop habitués, que les timings pour faire les combos, pour les shops, des shops et compagnie, sont différents. Il faut un petit temps d'adaptation au online, quoi. Par exemple, moi, ça me perturbe énormément. J'ai beaucoup de mal à me mettre au timing du live. Je sais que oui, il arrive à, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais par exemple, la contre-performance de Luffy l'année dernière, je pense qu'il y a une raison aussi. C'est pas que un joueur comme ça, dixième, il y a un problème. Il y a un gros problème. Moi, cette année, je suis sûr qu'il sera dans les premiers. Bah c'est sûr, Luffy en 2013, bah il a quasiment tout raflé hein, en termes de tournoi. Mais en ligne, voilà, c'est dur à dire, mais il a posé ses priorités. Il a préféré mettre la primeur sur les tournois hors ligne que les jeux en ligne. Et ça a payé pour lui. Maintenant, regarde où est-ce qu'il en est aujourd'hui. C'est devenu une référence internationale. Point barre. Donc voilà, ensuite, Est-ce que tu as énuméré les règles, justement, les lots? j'allais en venir. Alors les règles, cette année, comme on le disait, ça va se jouer hors ligne dans les studios de No Life. Du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant, chaque rencontre se fait en 4 matchs et pas en 4 matchs gagnants, ce qui veut dire qu'on pourra avoir des égalités. Du coup, les joueurs peuvent faire un résultat de 2-2, 1-3 ou 3-1 ou 4-0 ou 0-4. Et du coup, le goal average va également compter. Ce qui veut dire que une victoire équivaut à 3 points dans le classement. Un nul, c'est un point. Et les défaites, on tient en compte le goal average. Donc si, admettons, un joueur perd 3-1, son 1 point pourrait énormément jouer sur un classement final où il y aurait eu éventuellement des égalités. Et donc du coup, cette année, 12 joueurs, ce qui veut dire 11 semaines. Et non 12, parce que les joueurs ne peuvent pas s'affronter contre eux-mêmes. Il n'y a pas de match miroir avec soi-même. Je vois mal Bah ouais. Will Tupac versus Will Tupac, ça serait un peu bizarre. On bat 2000 jours et 1000 nuits. Le mec, il se met en mode entraînement, il enregistre ses matchs. Et après, ce sera sur Xbox 360, comme l'année dernière. Car les joueurs s'accordent tous à dire que la version 360 est la plus proche de l'arcade. Et je suis entièrement d'accord. Oui, ça lag un petit peu sur PS3. D'ailleurs, ils changent les veaux, cette année sera sur Xbox. D'ailleurs, on pourra ouvrir une parenthèse tout à l'heure avec la PS3, j'ai de belles anecdotes. Ensuite, qu'est-ce qui a gagné durant cette No Life Street Fighter League? Il y a 3 500 euros à se partager pour le top 3. Ça fait beaucoup, ça, pour Voyons. un tournoi français. Ouais, exactement. Ouais. C'est le plus gros, hein, non? Ouais, ça nous fait 20 000 francs, quoi, à peu près, quand même, c'est énorme. C'est ça. Ça, on parle en franc Pour ici. les jeunes. Pour On les va en jeunes, c'est choquer, hein, l'ancienne si... monnaie. Vas-y, et en ancien franc, parce qu'avant l'écran, il y avait les anciens ça francs nous pour les fait jeunes. 2 millions de francs, là, en ancien 2 millions franc. de francs en ancien franc, Ouais, ouais, carrément. Et donc, le premier remportera 2 000 euros. Donc, Ok. Merci. Si tu peux passer faire l'aspirateur chez moi, ce Voilà, serait ouais, il n'y a vraiment pas de cool. problème, désolé. Merci. Chez moi aussi, je veux bien, parce que là, on n'a plus d'oreilles sinon. Ouais, merci, génial. Ouais. Et donc le premier gagnera 2 000 euros, le deuxième 1 000 euros et le troisième 500 euros. Donc Will Tupac l'année dernière a remporté 500 euros car il était arrivé troisième. Gagapa avait remporté 2 000 euros et Alune la coquette somme 2 000 euros. C'est pas mal du tout. J'aimerais bien gagner cette No Life Street Fighter League. Et Ah mais voilà on donc n'est pas pour les règles. qualifié. Non, on n'est pas qualifié, pas cette année malheureusement. Donc voilà pour la No Life Street Fighter League. Elle va commencer dans les semaines à venir.
Cette semaine sur la chaîne No Life, il va commencer à avoir quelques petits trailers, quelques petites bandes annonces. Petite surprise. Exactement, une Ça va être émission. croustillant. Ouh! Et une petite émission également consacrée à la No Life Street Fighter League saison 2 sera diffusée sur la chaîne No Life, qu'on remercie d'ailleurs énormément pour ce partenariat. Ouais, ils gèrent. Carrément. Ah, c'est des mecs en or, pour les avoir un petit peu côtoyés, c'est quelque chose. Nous, à travers VSFTV.com, on vous tiendra au courant toutes les semaines des résultats. On vous postera les matchs régulièrement. On va voir encore s'il faut qu'on vous poste les matchs d'un coup, c'est-à-dire 7, 11 rencontres, non, 5 ou 6 rencontres d'un coup, ou Non, pas tout d'un coup, on va les faire un peu attendre. chaque jour, on vous poste une rencontre. On verra en termes de planning. Et puis voilà, donc ça commence dans les semaines à venir. On est tout excités, on est comme des fous. Il y a des matchs qui ont eu lieu, qui ont été archi violents. Je J'avoue. peux pas en dire plus. J'ai envie de vous les montrer là. Je suis là, ils sont juste à côté là. Non, non, Mais je non, peux non, non, pas. non. Ils sont là, ils sont dans ma VHS là, juste ici. Mais honnêtement, on va apprendre son mal en patience et vous allez réellement kiffer, ça je vous le dis. Vous avez autre chose à ajouter les gars peut-être? Par rapport à la No Life Street Fighter League ou pas? Bah, remercier Seb, hein, le boss de No Life, qui est le mec, c'est une crème, il fait tout là-bas. Il fait tout, Ah, c'est franchement, incroyable. il met les joueurs bien, Oh là là, on les est reçus setups comme des sont à la rois. fraise, rien à dire, propre. Vraiment propre. Ça marche, ok. Bah du coup, on a fait le tour pour cette No Life Street Fighter League, vu que ce ne sont que les prémices. Les vidéos débarqueront dans les semaines à venir. Donc voilà, soyez patients. Mais vu qu'on a un peu le temps, on va en profiter pour quelque chose que tu voulais Oui, nous oui, oui. On va annoncer. parler Tu voulais de nous annoncer quelque chose? bah, Ouais. parler de l'Apocalypse in Paris 2, parce que le premier a été un My franc succès. event. Yeah. Les vêtements de Monsieur Tupac, là, qui est au-dessus de moi, là. Ok, donc dans ce cas-là, Un oui. l'Apocalypse in Paris, on en Ouais. parle ou pas? Là, on en parle carrément. Ok, ça marche. Alors, maintenant que la No Life Street Fighter League a bien été détaillée, on va parler de l'Apocalypse in Paris. Dites-moi les gars, qu'est-ce que c'est que l'Apocalypse in Paris? Eh ben, c'est un gros tournoi organisé par monsieur là-haut, là, monsieur Will Tupac, qui a eu envie de rassembler le maximum de gros joueurs sur un événement régulier. Et donc, bah, il va nous donner plus de détails là-dessus. Ça se passe au Meltdown, dans un bar gamer, qui commence à être vraiment réputé. Il commence à en ouvrir un petit peu partout. On est vraiment bien, 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 bien là-bas, quoi. Non, bah, l'Apocalypse in Paris, bah, c'est une idée qui m'est venue avec Lior, donc dont on parlait dans la No Life Street Fighter League. Et comment dire, bah, pour ma part, on n'avait pas assez de tournois sur Paris, je vais pas dire en France parce que ça se passe à Paris, mais bon, tout le monde est le bienvenu, bien sûr. Et j'ai fait référence à ça par rapport au tournoi qu'il y a au State, là, le Next Battle, là, qu'ils ont toutes les semaines, machin et tout. Ouais. Et en étant là à l'Evo. Plusieurs fois, bah en jouant avec ces mecs-là, tu vois que les mecs ils sont toujours en mode, tournoi quoi. Enfin, les mecs, tu sens qu'ils ont une régularité dans leur jeu et tout, et que certains joueurs en France m'aiment beaucoup. Enfin, des fois c'est pas notre jour, des fois c'est pas notre tournoi, où il nous faut un ou deux matchs avant de se mettre en jambes et tout. Et je pensais qu'en faisant ça deux fois par mois, que ça nous aiderait à justement à travailler sur ça et puis en plus de faire un event quoi. Voilà, ça touchait trois jeux. Le premier, il y avait Ouais. Injustice. La communauté d'Injustice t'a contacté et c'est Ouais. parti, quoi. Hein. Ouais, il y a eu Injustice, KOF comme d'hab, hein, avec la même communauté. Hein, il y avait les Max Mod, les Signet Bien, il y avait tout le monde, il y avait les joueurs un peu tous les joueurs, quoi. Il manquait juste les Belges, mais peut-être pour la prochaine fois. Et il y avait Street Fighter 4, le jeu comme d'hab à tous les tournois. Et ça a été un franc succès, tout était rempli. Ça a été un délire de fou, vous pouvez voir les photos sur la page Facebook et tout. C'était mortel et je pense que ça c'est bien parti. Ouais, puis vraiment le fait d'être au Meltdown, c'est cool quoi. Même pour Ouais. venir voir sans jouer, si vous êtes curieux, vous avez envie de voir des gros joueurs s'affronter, vous allez dans le bar, vous prenez votre petite conso, vous vous posez, vous êtes bien quoi. Bon, le premier, il faisait super chaud,
parce que leur clim était pété. Mais là, ça y est, c'est réglé. Elle est réparée, t'es sûr. Hein. En avant Guingamp, c'est bon. En avant, allez, on y va. Okay, ça sera, ça sera aux petits oignons. Sur place, vous pouvez manger des burgers qui sont super bons pour 7 euros. Pour 7 euros, franchement, au milieu de Paris, vers Bastille, dans un bar, c'est juste avec ouf. Avec des frites à la fraise. Voilà, des sortes de potatoes même. Non, c'est. Qu'est-ce qu'il y a comme des prix ? Non, mais à la fraise, ça veut dire que c'est bon. Ah, ok, d'accord. À la fraise. Là, j'ai vraiment fait le sac, j'avoue. Ah, d'accord. Ah, des frites. Ah, des bonnes frites alors. Okay. Voilà. Okay. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ouais, okay. Revenons, pour moi. Ah, au jeu de combat. Et il va y avoir un petit changement, Will, un changement de jeu pour ce deuxième. Ce que j'ai vu avec la communauté de Injustice. Et de Marvel, et un tournoi par mois ça leur va, donc du coup je ferai une fois sur deux Injustice et Marvel, voilà. D'accord. Donc ils auront leur event par mois tranquille. Donc en gros il y a quatre jeux qui tournent, dont KOF et Street tout le temps, voilà, Injustice, Marvel, ça alterne, voilà, c'est ça. Et pour la première saison, on avait la chance quand même d'avoir des mignonnes. Ouais, on avait des mignonnes qui étaient là avec Triforce et tout, le MP, ils étaient là, et franchement ça a donné un bête de tournoi. On a eu des bonnes retombées. Et... Enfin, les gens, ils ont kiffé. Ils ont hâte de la prochaine, quoi. Voilà. Et c'est Val qui a gagné le tournoi. J'ai une question, par contre. C'est quoi ? Ce sont des tournois, des rankings. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner pour les joueurs ? Ah, c'est uniquement des tournois. Ça veut dire que si t'as perdu au Apocalypse 1, tu vas te refaire au 2. Il n'y a pas de souci. Donc, toutes les inscriptions sont dans le cash prize pour le top 3 du jeu. Voilà, l'inscription est à 10 euros. En fait, on récupère tout l'argent. Bah, d'ailleurs, c'est moi qui m'en occupe. À l'inscription, vous venez me voir directement pour Street. Je prends les petits sous-sous. Je prends l'intégralité des petits sous-sous. Je mets dans des petites enveloppes. Et voilà, on divise 60% pour le premier, 30% pour le deuxième, 10% pour le troisième. Et on redonne intégralement l'oseille des inscriptions aux joueurs. On prend zéro. 0 euros pour nous qui organisons l'event. Ce que tu es en train de me dire, c'est si par exemple au prochain Apocalypse in Paris il y a 64 joueurs à Street, les vainqueurs ils se tapent 640 euros. Ils se mettent bien. Ils se mettent bien, tranquillou. C'est super. Plus il y a de joueurs, plus. Bah voilà, c'est pour motiver les gens. Et voilà, c'est pour que ça avance et surtout que le niveau s'améliore. C'est ça l'objectif. Plus ton adversaire est fort, bah, plus tu vas lutter pour le battre et plus toi tu vas devenir fort. C'est la base des jeux de combat, quoi. Et les tournois sont avec winner loser bracket ou c'est élimination directe? C'est format Evo. Ça veut dire que bon, pour la première on a fait un grand arbre avec winner loser, et pour là pour la deuxième là, enfin je me suis chargé avec un ami pour faire un logiciel. Ce sera comme l'Evo, c'est-à-dire les poules seront en arbre winner loser, et les deux premiers de chaque poule passent, le gagnant des winners et le gagnant des losers. Donc, ça, c'est pour Street 4. Après, les tournois KOF et Marvel, c'est ce sera pareil. Pareil aussi. Ce sera pareil. Sera pareil. J'ai le petit logiciel et tout. Ce sera pareil pour tous les tournois. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous êtes, au Meltdown, il y a des mini-Evo toutes les deux semaines. C'est ça, t'as tout compris, mon gars. Voilà. T'as ok, donc pour ceux qui aimeraient avoir l'expérience d'un tournoi plus ou moins similaire à l'Evo en termes d'organisation, l'Apocalypse in Paris est fait pour ça. Exactement. Et on veut rajouter un petit truc avec Will, c'est une petite loterie. Ah. Ça, c'est encore un projet à gagner parmi tous les participants. À la fin de l'event, on fait une petite loterie et le gagnant va remporter un lot. Comme ça. Bon, il faut qu'il soit encore présent au Meltdown au moment de cette loterie, sinon on passe à un autre, etc. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Donc le lot, on ne peut pas encore dire ce que c'est, mais ce sera une petite surprise. Et les tournois commencent à quelle heure environ ? Environ, c'est entre 13h, entre midi et 13h le tournoi commence. Entre midi et 13h, il y aura plus d'infos pour la deuxième d'ici demain. Ouais, likez la page Facebook. Voilà. Et il y aura vous aurez toutes les infos. Toutes les infos sur les inscriptions, sur l'heure du tournoi et tout. Et ce sera sur quelle console pour terminer ? Xbox 360. Ok, ça marche. Et il y aura bien évidemment un stream. Oui, ah. et pour cette deuxième fois-là, faut pas oublier, il y aura Ken Bogard qui sera là pour commenter les tournois. Ah, d'accord. Donc il va commenter du début jusqu'à la fin, et j'imagine qu'il ne commentera que Street Fighter. Street Fighter, ou peut-être les autres jeux, hein, ne sait-on jamais. D'accord. Il en est capable, il n'y a pas de souci. Ouais.
Ok, ça marche. Bah, de toute façon, sur vsftv.com, on relayera l'info et tout ce qui s'ensuit. Vous pouvez compter sur nous. Vous avez autre chose à ajouter avant de terminer? Ah bah écoute, comme d'hab, hein, on en parle ou pas? On n'en parle ou pas. Bah écoutez les gars, on vous donne rendez-vous dans à peu près 14 jours. Si tout se passe bien, à moins qu'il y ait quelque chose Voilà. d'exceptionnel qui a encore lieu, et La là vous nous sixième verrez encore personne. la semaine À moins prochaine. que Son Goku soit dans Ultra Street 4. Ouh, vous allez savoir. En tout cas, la semaine prochaine, on passe. Oui, c'est ça, la semaine prochaine, on sera déjà en avril. Et donc, du coup, nous, on n'en parle ou pas, ce sera en avril, quoi qu'il arrive. Sur Exactement. ce, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout cela dépend de votre du créneau horaire dans lequel vous nous regardez. Et on vous dit à très bientôt. Salut les gars. Salut. Ciao, ciao. Ciao. ファイターシリーズプロデューサーの小野です。ノーライフストリートファイターリーグ、ついに決勝戦です。誰が優勝するかな？楽しみですね。